Dans ses mémoires qui viennent de paraître, l'acteur vétéran Brian Cox, actuellement tête d'affiche de l'excellente série Succession, s'est laissé aller à quelques confidences avec une plume légèrement trempée dans l'acide. On ne présente guère plus le grand acteur britannique Brian Cox, qui promène sa silhouette sur petit et grand écran dans une carrière débutée au cinéma dès 1971. Tête d'affiche de l'excellente série HBO Succession, diffusée sur OCS, pour laquelle il a d'ailleurs remporté en 2019 un Golden Globe du meilleur acteur, il vient de publier ses mémoires, Put in the Rabbit in the Hat. Dans un entretien avec GQ autour du sujet, l'acteur révèle avoir refusé un rôle dans la série Game of Thrones, et refusé également de jouer dans la saga Pirates des Caraïbes, avec un Johnny Depp qu'il trouve surestimé et au jeu boursouflé. On m'a souvent demandé si on m'avait proposé un rôle dans Game of Thrones, et la réponse est oui. J'étais supposé jouer un roi appelé Robert Baratheon, qui meurt apparemment lors d'une partie de chasse, tué par un sanglier dans la première saison. Un rôle qui sera finalement tenu par son compatriote Mark Addy. Je connais très peu de choses sur Game of Thrones, donc je ne peux pas vous dire s'il était un personnage important ou pas, et je ne vais pas non plus chercher sur Google pour savoir, au cas où, parce que Jai refusait le rôle écouté. Pourquoi ce refus? Game of Thrones a été un énorme succès, et toutes les personnes impliquées dedans ont gagné une fortune, poursuit-il. Mais lorsqu'ils ont offert au départ le rôle, la somme proposée n'était pas si importante que cela, dirons-nous. Par ailleurs, je devais mourir assez tôt, donc je n'aurais eu aucun des avantages des effets à long terme d'une série à succès où votre salaire augmente à chaque saison qui passe. Pirates des Caraïbes, un Johnny Depp au jeu boursouflé. Brian Cox révèle également avoir décliné le rôle du gouverneur dans la franchise Pirates des Caraïbes, qui sera finalement tenu par Jonathan Price. Le rôle aurait été une source de revenus, mais de tous ceux du film, c'était le plus ingrat, et par ailleurs je me serais retrouvé à faire film après film, en manquant toutes les belles choses que Jai fait. Autre raison de son refus, l'acteur Johnny Depp. Avec ce tacle à la gorge, une autre chose avec Pirates des Caraïbes, c'est qu'il s'agit d'un show de Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow, et Depp, même si je suis sûr qu'il est sympathique, est tellement surestimé et boursouflé. Je veux dire, prenez Edouard aux mains d'argent. Si vous vous pointez avec des mains comme ça et un maquillage effrayant, vous n'avez rien à faire. Et c'est le cas. Et par la suite, il en a fait encore moins. Mais les gens l'aiment. Oui, il l'aimait. Ces derniers temps, il ne l'aime pas tellement. Avec de telles considérations, pas sûr de retrouver les deux acteurs ensemble dans un prochain film.